toi derrière. Mets-toi derrière. Il nous faut un fond vert. Il fait un t-shirt vert, il dit il fait un fond vert. Ah, c'est pour ça, ça sent, c'est ça. Bon, ciao les gars, on est en présence de Paul Oustic là. Ciao, ciao les amis. Bah, Ali Nafawi, Reg du PCC qui est présent ici tous les vendredis. Ouais, Xavier Servet, habitué du PCC aussi, on est toujours là. Et Maher Azaoui aussi, un Reg du PCC, on est toujours là. Ouais. Ouais, Maher, il est là tous les jours. Mercredi, vendredi et le dimanche. Vous pouvez me dire quand est-ce que vous avez commencé le poker et tout particulièrement ici au PCC? Bah, moi, le premier tournoi que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait ici. Je pense qu'il y a 4 ans, c'était en 2018, je pense, ou 2017, je sais plus. C'est entre 2017 et 2018. La première fois que j'ai eu un tournoi dans ma vie, c'était ici. C'était un petit 20 balles, un dimanche matin, je me souviens très bien. Ouais, moi aussi, pareil, premier tournoi ici au PCC, il y a, on va dire, 4 ans, 4-5 ans. Et tu as commencé le poker par... Le poker, en général, il y a, on va dire, 6-7 ans. Mais après, bon, c'était entre amis, quoi, comme ça. Et puis, régulièrement, vraiment, ça fait 4 ans, quoi. Et moi, c'est en début d'année. C'est un ami à moi, il s'appelle Noah. Et il m'a présenté le PCC. Oui, il est quelque part par là. Oui. Et il m'a présenté le PCC et je suis venu. Et depuis le PCC... Et c'est devenu la coqueluche du PCC. C'est ça, ouais. La mascotte. Qu'est-ce qui vous attire de venir jouer ici, déjà dans les clubs? Et tout particulièrement ici au PCC? Bah, tout premièrement, c'est la proximité, parce qu'on est de la région. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est l'ambiance, comme on peut le voir ce soir. Voilà, c'est un vendredi soir. Il y a 100 joueurs, donc même à la Wii, il y a de l'argent à gagner. Ouais, donc, ouais, voilà. Donc, c'est la proximité, la bonne ambiance et aussi le fait de venir s'amuser et jouer pour de l'argent aussi. Parce que à chaque fois qu'on arrive en table finale, il y a quand même pas mal d'argent à gagner. C'est bien parce qu'il parle et les deux autres sont. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Ali. Non, franchement, si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui hésitent, c'est n'hésitez pas, venez nous rejoindre, venez faire vos premiers tournois ici. Je pense à pas mal de joueurs qui jouent un peu sur internet chez eux, mais n'osent pas faire le premier pas parce que ça fait toujours un peu peur. En club ici, c'est vraiment le top avant de commencer en casino ou autre. C'est vraiment la meilleure transition possible pour ceux qui veulent se lancer. Et même pour ceux qui ne veulent pas forcément se lancer, mais qui ont envie de venir passer une petite soirée et rigoler, c'est le bon endroit. Ouais, c'est ça, ça peut être un vrai tremplin pour les joueurs amateurs et qui veulent passer un peu au buy-in plus cher ou juste commencer par du live, ça peut être un très très bon tremplin. Qu'est-ce que vous diriez pour attirer les joueurs, par exemple français? Exactement, il y a pas mal ici au PCC de français qui viennent jouer parce que là-bas ils ne savent pas jouer pour des petits buy-in malheureusement dans leur club parce que c'est un jeu associatif je pense. C'est ça. Et donc il n'y a pas, mais sinon ça peut être un très très bon tremplin. Et moi, pourquoi je viens au PCC, c'est ambiance familiale, comme on peut le constater. Hein. On rigole, on s'amuse. Et là, comme il a dit Ali et Xav, c'est la première fois que je voulais jouer un tournoi au casino. Et ils m'ont dit, avant de jouer un tournoi au casino, fais un petit buy-in, entraîne-toi. Comme dirait Ali, tabasse les 20 euros. Et après, tu pourras jouer des plus gros buy-in et tu verras l'expérience par la suite. Ouais. Et pourquoi on est bien venir jouer ici au PCC aussi, c'est parce que voilà, on a la chance d'avoir un restaurant dans le club, donc on peut commander des restos. On a la chance d'avoir une télé, on peut suivre un peu l'actualité du poker sur internet et tout ça. Par exemple, pendant le PT, les gros tournois, on les suit directement. On a la chance d'avoir d'autres jeux ludiques comme le billard. On a d'autres tables, on peut jouer aux différentes variantes de poker ou jeux de rami. Donc, il y a vraiment une ambiance intéressante. On peut bust après 20 minutes et rester là jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin en faisant autre chose. Merci beaucoup pour... Merci à toi, merci à toi. Merci le gars. À très vite. Bon,
toi, si tu n'as pas envie de dire quelque chose pour la fin de mon clip. Si, tout va bien au PCC. Bien. Merci à toi d'être venu. Merci pour ce que tu fais. On est bien au PCC. Hein. Bah, je pense qu'on est bien. Ouais. On est bien, on mange bien. Ça, c'est vrai. C'est quatre, je vais goûter ses pâtes. Hein. C'est plus qu'un club de poker, c'est une famille. Exact. Carrément. T'as tout dit. Allez, ciao.